Indigo, comment ils vont? Aujourd'hui, on est là pour une vidéo spéciale littérature. Et oui, j'ai senti que pas mal d'entre vous voulaient savoir les romans que je préfère. Nous sommes donc là pour un top 10. C'est parti pour la vidéo! Les romans, l'objet sacré qui te permet de te transporter dans le corps de quelqu'un, dans un autre endroit, dans un autre monde, juste avec des mots. C'est fou comment parfois les mots peuvent être beaucoup plus puissants qu'une image. Tout dépend de celui qui fait l'œuvre et je suis trop pressée de vous présenter mes 10 bébés littéraires. En 10ème position, nous commençons avec La passeuse de mots de Adji Twice chez Hachette Roman. Je le mets pour l'instant qu'en 10ème position parce que voilà, j'en suis qu'à la page 140, mais je sais que je fais complètement devenir fan. C'est l'histoire d'Aria qui vit dans le royaume d'Helios, un royaume où la magie a été fortement restreinte par un traité, et cela ne plaît pas du tout aux rebelles, car il veut utiliser la magie comme il le souhaite. Lors d'un drame énorme, Aria, fortement passionnée de livres, va découvrir ce qu'est d'être la passeuse de mots. Un pouvoir où les mots peuvent détruire et créer. Ils peuvent tout faire en fait. C'est une dinguerie, c'est extrêmement bien écrit. Surtout le fameux moment de drame, j'ai eu des frissons. Aria est beaucoup trop cool, même tous les persos en fait, et ça promet d'être une aventure extrêmement riche. Puis vous voulez quelque chose avec une magnifique plume, let's go. C'est pour l'instant en 3 tomes, le 4e arrive au mois de novembre de cette année, le 2 novembre exactement, et vous avez également un préquel de disponible, La Légende d'Elebor, une pépite de fantasy. Il faut lire La passeuse de mots. En 9ème position, nous sommes avec Le Pacte d'Emma de Ninet Gorman. Alors oui, vous allez me critiquer, sachant que la suite n'est jamais sortie. Mais c'est avec ce roman que j'ai découvert la merveilleuse écriture de Ninet Gorman, qui à l'époque était une youtubeuse que je suivais énormément. Et voilà, j'ai sous-estimé un peu quand elle a dit j'écris un livre, je me suis dit bon ok, c'est grâce à sa notoriété, et bah son écriture est phénoménale. Donc chez Albin Michel, donc c'est l'histoire d'Emma qui possède une maladie dégénérative qui lui fait perdre en motricité et même en concentration, bref, tout est touché. Et comme elle le dit elle-même, bah elle va finir figée quoi. Sauf que lors d'une étrange soirée, elle va découvrir un homme. Et à travers une vision complètement floue, il va se révéler extrêmement mystérieux, voire dangereux. Et visiblement, celui-ci peut lui permettre à ce que sa maladie soit complètement supprimée. Tout ça avec des raisons obscures. Et cela va amener au pacte d'Emma. Je l'ai dévoré, je crois que c'est le roman que j'ai lu le plus rapidement de toute ma vie. Déjà c'est trop bien écrit, puis voilà, il y a des scènes un peu intimes olé olé dedans, qui fait que voilà, on s'y croirait, il y a vraiment une découverte entre Andrew et Emma qui est hyper intéressante, mais en même temps pas très saine. Et voilà, je veux vraiment savoir jusqu'à où Emma va-t-elle aller, ce qu'elle va devenir. Mais malheureusement, le pacte d'Andrew n'est pas encore sorti en livre, donc voilà, je sais pas vraiment ce qui se passe, à voir. Mais je prie très très fort. Donc si tu veux une histoire dans un beau New York, avec une écriture hyper immersive, vraiment on ressent tout du personnage, et avec un peu de olé olé et surtout de l'intrigue, de l'affection sur l'humain, sur la vie, je t'invite à lire Le Pacte d'Emma. Ensuite, en 8ème position, Thérèse Raquin d'Émile Zola. Bon, après, j'ai plein d'éditions différentes, hein, donc là, moi, c'est le livre de poche. En fait, ce roman, je le mets dans mon top tout simplement parce que c'est le roman que ma prof de français m'avait fait découvrir et qui fait que j'ai aimé les romans vraiment parce que j'ai ressenti des choses hardcore. Je trouve qu'Émile Zola écrit incroyablement bien. Il pénètre en toi, il fout le bordel là-dedans, là, et t'es en mode wow, 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 vraiment. Et puis, vraiment, il y a une scène de morgue à un moment, je m'en rappellerai toute ma vie, tellement que les images étaient d'un net dans mon cerveau, c'était impressionnant. Donc en fait, c'est l'histoire de Thérèse qui va être confiée à sa tante, donc la sœur de son père, car ses parents vont décéder. Cette tante, Madame Raquin, possède un fils qui s'appelle Camille, qui est fragile et souvent malade. À 21 ans, Thérèse et Camille vont se marier, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'amour entre eux. Et après un long moment de vie monotone, elle va rencontrer Laurent, Laurent qui va devenir son amant. Sauf que toutes les situations sont faites pour qu'ils ne soient pas ensemble. Et le problème, c'est qu'ils vont vouloir plus
ça veut dire qu'ils vont vouloir se marier. Et ils vont tout mettre en œuvre pour que cela arrive. Et suite à un drame, une vie hantée va se présenter à eux. Je le relirai, c'est sûr. Parce que franchement, c'est incroyable, c'est trop bien écrit. Et puis vraiment, le suspense est là. Là, si tu veux une ambiance vraiment glauque déjà, c'est sale, c'est très... c'est de la rancœur, c'est... voilà, il y a que des sentiments négatifs dans ce roman. Mes parents vont vivre d'énormes émotions. Je te recommande vivement de lire Thérèse Raquin d'Émile Zola. En 8e position, nous sommes avec La nuit où les étoiles se sont éteintes chez Albin Michel. Ce roman m'a bouleversé. Émotionnellement, c'était fou. Et puis, encore une fois, comme je vous ai dit, Nina Gorman, elle a une plume hyper immersive. Elle te fait tout ressentir du personnage. Et puis, nous sommes accompagnés de Marie Alino. Ça fait une très belle découverte. Et ensemble, elles ont écrit un banger. C'est l'histoire de Phil qui vit des moments difficiles depuis que sa mère est en prison. Il va donc partir vivre chez son oncle, donc le frère de sa mère, et essayer de faire ce que sa mère souhaite, c'est-à-dire d'avoir une scolarité, d'avancer dans la vie. Sauf que Phil n'y arrive pas. C'est quelqu'un de rebelle qui accepte absolument pas ses émotions et ça va être très compliqué pour lui. Il va rencontrer des personnes mais va avoir du mal à s'attacher à eux et puis lorsqu'un drame arrive, tout va basculer. En fait, ce qui est vraiment magnifique dans ce bouquin, c'est vraiment la recherche du bonheur. Mais la recherche inconsciente, c'est-à-dire qu'il est pas là en mode je vais trouver le bonheur, nanana. Au contraire, non, il est très négatif mais des choses vont venir à lui petit à petit. Finn fait partie de ces personnages qui nous tourmentent, qui nous touchent profondément, en qui on espère trouvera la lumière clairement. Et c'est également l'histoire de la vie aussi, quand des choses vous arrivent, que vous allez avoir certaines réactions mais qu'après vous allez chercher des réponses pour vous en sortir. C'est sublimissime, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Pas la seule, hein, toutes les personnes qui l'ont lu ont compris cher. Donc là, si tu veux vraiment juste une magnifique histoire émouvante, je te laisse avec La nuit où les étoiles se sont éteintes. En 6e position, L'année de grâce de Kim Liguette dans la collection Pulp Fiction de chez Gallimard Jeunesse. J'ai énormément aimé L'année de grâce, vraiment. En fait, j'aime énormément la dystopie, donc voilà, tout ce qui est à base de sociétés corrompues, à la Hunger Games par exemple. Et là, je l'ai trouvé assez original parce qu'il y a vraiment aussi un côté féministe, pas criard, mais féministe quand même. Donc c'est l'histoire de Tierney qui vit dans une société où, à 16 ans, les jeunes filles sont envoyées en année de grâce. Personne ne parle de l'année de grâce, personne ne sait ce qui s'y passe. Mais en tout cas, quand les femmes reviennent de l'année de grâce, elles sont différentes. Avant l'année de grâce, celles-ci vont être destinées à un futur potentiel époux, mais Tierney n'est pas de ça. Elle préfère travailler toute sa vie dans les champs qu'être épouse. Et du coup, voilà, ça va vraiment être l'histoire, le périple à la recherche de la liberté de Tierney. J'ai trouvé ça hyper fort, hyper intriguant aussi, parce que qu'est-ce qui se passe pendant l'année de grâce? Où vont-elles? Que vont-elles faire? Franchement, j'étais accro, je l'ai dévoré, j'ai trop aimé. L'écriture n'est pas si exceptionnelle que ça, mais en tout cas elle est très claire. Donc en fait vous dévorez le bouquin. Et moi clairement j'ai envie de lire tous les romans de cette autrice quoi. Enfin je trouve ça mais génial. J'étais à fond, c'était hyper intriguant, c'est très dynamique aussi. Chaque chapitre est important. Donc des fois certes l'écriture elle est pas hyper singulière, incroyable. Mais par contre, quand tu gères aussi bien ta trame, ton dynamisme, bah ça crée un bouquin hyper fort également. Donc franchement, j'ai kiffé. Je suis trop fan de l'année de grâce. Donc si tu veux une bonne dystopie, intrigante, tu cherches un peu de féminisme, mais voilà, je trouve pas non plus que ça soit la chose principale de l'année de grâce. Et voilà, une héroïne vraiment humaine, quoi. Pas une Wonder Woman, bah je te laisse vraiment foncer avec l'année de grâce. Attention, on rentre dans mes 5 premiers. Et là, ça va être mes bébés d'amour. Pour la plupart, c'est des romans que j'ai lus pour là, il y a quelques années, qui m'ont marqué. En 5e position, nous avons Chimchong, fille vendue de Yang Sok-yong chez les éditions Zulma. Déjà, le bouquin, je le trouve trop beau. J'aime trop les formats Zulma. C'est toujours très coloré, très voilà, singulier. On sait que c'est du Zulma. Donc, nous sommes à la fin du 19e siècle. Une période où il y avait énormément de trafic d'enfants en Asie de l'Est. Donc là, quand je parle de trafic d'enfants, c'est surtout la traite des enfants, donc c'est-à-dire le commerce des enfants. Et en fait, Chimchong, bah, elle va en faire partie et va se faire vendre à l'adolescence. Et elle va vivre un périple de prostitution et des métiers de séduction énormes. Donc en passant de la prostitution allant jusqu'à la haute courtisanerie des geishas. Et en fait, voilà, c'est juste le périple de cette femme extrêmement courageuse qui va vivre des horreurs. Ce roman n'est pas à lire pour tout le monde. Voilà, je préviens, parce qu'il est pas facile à lire. Par contre, l'écriture
l'écriture, elle est unique. Pour le coup, là, vraiment, j'aime trop l'écriture de cette autrice. Et c'est l'un des rares romans à la troisième personne que j'ai vraiment aimé lire. Je l'ai dévoré, je l'ai mangé. D'habitude, j'aime vraiment lire à la première personne avec le jeu en étant dans la tête du perso. Là, c'est hyper dense, hyper dynamique, on est à fond. Même si, voilà, il y a des scènes vraiment pas simples. On va pas se mentir, hein. Évidemment, il y a du... Donc voilà. Mais en tout cas, c'est surtout, ça dénonce à quel point la prostitution est normalisée de fou en fait. À quel point la femme n'avait le droit à rien. Que la traite des enfants, c'est horrible. En fait, voilà, ce livre dénonce énormément. Et puis du coup, vous vivez à travers quelqu'un qui a un peu abandonné l'espoir, qui vit ça comme ça. Mais du coup, nous, on a espoir pour elle. Et c'est un vrai périple, c'est une survie. Et en fait, au bout d'un moment, des choses vont se passer en elle et dans sa tête qui fait qu'elle va se démener. Et franchement, voilà, c'est un livre magnifique. J'ai pleuré, j'ai eu la rage. J'ai beaucoup eu de rage en le lisant. Et voilà, c'est un vrai périple, un lourd périple, hein, vraiment. Mais tu le vis, ce périple, c'est incroyable. Donc là, vraiment, si tu veux une histoire très très forte sous périple, il faut vraiment que tu fonces lire Chimchong, Fille vendue. En quatrième position, Promise de Ali Koundi, pareil, chez Pôle Fiction Gallimard Jeunesse. J'aime trop ce roman. Et il faut savoir qu'il y a 3 tomes et j'ai pas encore lu les 2 suivants, tout simplement parce que j'ai pas le courage de les lire, j'ai pas envie que cette saga se finisse. Je sais, hein, j'ai vraiment un trouble avec ça. Donc en fait, c'est l'histoire de mon bébé Cassia, qui elle, vraiment, pour le coup, est une héroïne extrêmement humaine et déterminée, qui se prend vraiment pas pour un héros, qui vit dans une société parfaite, une société qui te livre tous les jours ce que tu dois manger, qui évalue tout au long de ton enfance le travail parfait pour toi, et surtout qui évalue la personne à qui tu vas être promise. Cassia, elle a un meilleur ami depuis toujours, et en fait elle espère que son promis soit lui. Comme ça elle est sûre de pas être déçue et de vivre heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Sauf qu'elle va faire la rencontre de Kai, un banni de la société, et tout va partir en cacahuète. Attention, oui, certes, il y a beaucoup d'amour dans la trilogie de Promise, mais pour moi, c'est encore une dystopie. Surtout en quête, voilà, de liberté. Les thématiques de la dystopie de base. Et en fait, c'est super bien écrit, et en même temps, c'est extrêmement dynamique. Donc déjà, t'es en mode... Tu t'arrêtes pas de le lire. Tu es accro, t'es piqué, terminé. J'ai passé un moment de malade avec ce tome. J'ai envie de lire la suite. Non. Et en fait, il y a des super bonnes idées. Il y a des idées de ouf. C'est trop bien. J'ai trop kiffé. Si là, vraiment, tu veux une bonne aventure dystopique, avec plein de rebondissements, où ça ne s'arrête jamais, et surtout avec, voilà, Cassia, qui est une superbe héroïne bien écrite, hyper humaine, avec des personnages secondaires plein de surprises, vraiment, je t'invite à lire Promise. Oh là là, on est dans les 3 premiers. C'est vraiment mes bébés d'amour que je vais vous présenter. En 3e position, Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix-Ayard, aux éditions de Minuit. Les éditions de Minuit qui est, à mes yeux, la plus grande maison d'édition de la littérature française. Ça raconte Sarah. Sarah, qui est une jeune femme téméraire, artiste, belle, lumineuse. Et nous, on suit un personnage principal féminin qui n'a pas de prénom. Donc c'est vraiment pour... l'immersion, qui va complètement tomber amoureuse de Sarah. Et en fait, vraiment, ça va être toute leur histoire d'amour, l'évolution de leur histoire d'amour qui va s'enchaîner. Et il faut savoir qu'à ce moment, il y a une première partie et une deuxième partie. Et la deuxième partie, pour vous dire, j'ai failli vomir. C'est vraiment le seul roman qui m'a tellement retourné l'estomac que j'ai failli en vomir. Je me rappelle, toute ma vie, je le lisais un été sur ma chaise longue et vraiment, j'étais là... Vraiment, j'étais en PLS. L'écriture, elle est sublime. Pour moi, c'est une des plus belles écritures que je n'ai jamais lues. C'est très court, ça va très vite. Il n'y a jamais de virgule, limite. Mais du coup, c'est très spontané, honnête. Là, l'autrice, elle te parle, elle te balance les choses. Je suis trop fan, c'est trop bien écrit. Et vraiment, c'est celui qui m'a le plus percuté émotionnellement. Hein. Vraiment, c'est trop fort. Je le recommande à la terre entière. Et en fait, là, j'ai juste envie de m'arrêter là-dessus et vous dire, juste voulais lire une histoire d'amour pas du tout niaise, juste hyper honnête et réaliste, extrêmement puissante. Il faut lire Ça raconte Sarah. En 2e position, un roman qui m'a fait tellement pleurer. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, chez Livre de Poche. Ce roman m'a détruite, et tous ceux qui l'ont lu, voilà, on a le même discours, hein, c'est la souffrance là.
Donc c'est une histoire vraie, l'histoire vraie de notre autrice, qui est écrite sur sa mère Lucille, qui est bipolaire. Du coup, on parle de cette maladie, on parle des raisons du pourquoi on peut devenir bipolaire également. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant dans ce roman, c'est que c'est écrit sous trois formes. Un chapitre possède trois formes. Tout d'abord, on suit le passé de Lucille, donc la personne bipolaire qui est la mère de Delphine, l'autrice. Ensuite, on suit la jeunesse de Delphine avec sa mère, du coup, et sa sœur Manon. Et ensuite, la troisième forme, c'est en fait Delphine, l'autrice, qui allait rencontrer ses oncles et tantes pour parler de Lucille. Du coup, déjà, on a la vision entière sur Lucille, sur sa vie entière, surtout, sur comment les gens la voyaient aussi. Et en fait, Lucille, bah, c'était une personne extrêmement rock'n'roll, subjuguée d'amour, de beauté, de femme forte aussi, mais elle est bipolaire et sa maladie la rattrapait. Et elle n'arrivait pas à être heureuse. Et honnêtement, c'est un roman qui m'a terminée. J'ai pleuré vraiment, il y a 4 fois où je me suis effondrée en larmes, au point que mon père m'a dit ça va Lucie, parce qu'il croyait qu'il m'était arrivé un truc horrible. Non, c'était juste ce roman. Extrêmement fort, et là vous voulez de l'honnêteté pure, brute. Là je veux dire, on est vraiment avec l'autrice quoi. J'ai envie de dire que c'est magnifique, non. Parce que c'était trop dur à suivre, à lire, mais en fait je crois que l'honnêteté, elle est incroyable, et puis on sentait que l'autrice avait besoin de dégueuler littéralement cette histoire quoi. Bref, vous voulez juste une histoire extrêmement forte et honnête, qui vient de la vraie vie hein, donc c'est pas, on dirait même pas un témoignage en fait, tellement que c'est bien narré. Et bah il faut lire, rien ne s'oppose à la nuit. Et pour terminer, mon bébé, mon roman préféré de la Terre, j'ai été séduite de A à Z, que ce soit par l'univers, que ce soit par le personnage, que ce soit par la manière d'écrire. Vraiment, pour moi, à mes yeux, c'est le roman parfait. J'essaie de trouver un truc qui m'est négatif dans mes goûts personnels. Surtout que c'est un roman qui parle du Japon médiéval avec un auteur français. Donc je me suis dit que ça allait être mal écrit. Voilà, j'ai sous-estimé. Et ben non, c'est incroyable. C'est Le Bureau des Jardins et des Étangs par Didier Decoin, qui vient de l'Académie Gond. On court chez Stock. Déjà ce livre, je le trouve hyper élégant et beau. J'aime trop. Donc c'est l'histoire de Miyuki qui vit dans les profondeurs du Japon, dans un village plutôt pauvre. Au 12e siècle, elle est liée à Katsuro jusqu'à la fin de sa vie. Donc Katsuro, son mari, qui a, il me semble, une vingtaine d'années de plus qu'elle. Et le métier de Katsuro, c'est de pêcher les plus belles carpes du Japon pour sublimer la cité impériale. Sauf que celui-ci va se noyer. Plus tard qu'en vrai. Hein. Et Miyuki va se retrouver toute seule. Sauf qu'il y a un pacte avec l'empereur, qui fait que des soldats vont aller jusqu'à Miyuki et vont lui dire « Tu finis le métier de ton mari décédé. » Donc déjà, la nénette, elle est en deuil. En plus de ça, elle se retrouve seule au monde à devoir gérer des choses que Katsuro faisait mais qu'elle ne faisait pas. Et en plus de ça, va falloir qu'elle devienne pêcheuse. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait rien pour t'aider. Hein. Au 12e siècle, t'avais un bon bout sur les épaules, un bon bout sur les reins, t'avais des seaux et les carpes, elles étaient là. Et puis en plus de cela, elle n'est jamais sortie de sa campagne, de son village. Donc il va falloir qu'elle aille faire un périple énorme pour trouver de magnifiques carpes. Et en fait, pendant ce voyage extrêmement complexe, mais elle va rencontrer plein de créatures japonaises, plein de choses de la société japonaise profonde, et franchement, l'aventure, elle est incroyable, j'ai trop kiffé. Et puis l'écriture est sublimissime. Je me rappelle que pour parler du crépuscule, enfin donc voilà, la nuit qui arrive dans le ciel, Didier Decoin a écrit une phrase du genre « Et le bol d'encre de Chine se déversa sur la table ». Enfin, c'est super bien écrit, c'est sublimissime. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir lu une estampe japonaise, mais en roman, enfin avec des mots. Parce que c'était vraiment très très beau. Moi, dans ma tête, il y a des choses magnifiques qui sont mises en place. Je suis tombée amoureuse, j'ai été séduite voilà, par ce roman. Pour moi, c'est ma bible. C'est le meilleur roman ever de la Terre. Mais de toute façon, vous le savez, si vous avez vu mon top 10 ever, que j'ai fait il y a longtemps, si tu veux lire un banger, quelque chose d'extrêmement bien écrit, de très très beau, avec un périple incroyable, une dynamique parfaite, ni trop rapide ni trop lente, et voilà, une héroïne humaine de l'époque japonaise bien ancienne, vraiment, il faut que tu fonces avec Le Bureau des Jardins et des Étangs. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me laisser en commentaire
tout d'abord tes romans préférés à toi, et ensuite si on a l'un des 10 qui t'a donné envie. Le roman c'est incroyable, vraiment c'est quelque chose que j'aimerais plus faire, mais le truc c'est que je joue aussi à la console et que je lis aussi des mangas, donc c'est un peu compliqué, mais si je pouvais je lirais un roman par semaine quoi. Faut pas se laisser avoir en se disant c'est dur de lire, ça prend du temps, etc. Moi je suis dyslexique, en fait juste je prends le temps. Si je mets 3 mois à lire un livre, bah je mets 3 mois, et je vous promets que tout le monde peut aimer lire, parce que il y a tellement de romans avec tellement d'histoires qu'il y a forcément un roman qui va vous toucher, c'est sûr et certain. Et quand je dis un, je suis gentille, moi je pense que quelqu'un qui ne lit absolument pas, il peut au moins avoir une dizaine de romans qu'il peut kiffer en fait dans sa vie. N'hésite pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube La Page Indigo, à mon Instagram la.page.indigo, à mon TikTok La Page Indigo, et à mon Twitch La Page Indigo tiré du bas pour l'émission AD Indigo qui a lieu tous les premiers mercredis du mois. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à pouette. Thank you.